Lâchez là. Au nom de Jésus. Lâchez là. Lâchez là. Lâchez là. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Même le petit avec lui, la grande fille pour lui. Mais si on avait fait sa délivrance, c'est là. Hein? Hein? On avait fait sa délivrance, non? Ça? On va attendre. Vous êtes sorcier. Hé, vous êtes sorcier. Répondez, vous êtes sorcier. Vous êtes sorcier. Il y a deux qui ne répondent pas. Vous êtes sorcier. Oui. Vous êtes sorcier. Oui. La fille ne répond pas. Vous êtes sorcier. Oui. La dame, la fille ne répond pas. Vous êtes sorcier. Oui. Hein? Oui. Vous êtes sorcier. Oui. Hein? Oui. Hein? Elle t'a dit quoi? Quand tu as fait les aveux là? Tu n'as pas dit ça? Tu n'as pas dit ça? Lui, tu n'as pas dit ça? Si. Alors, pourquoi comme tu vois la foule là, tu vas commencer à discuter avec les gens? J'étais le premier à dire que tu es sorcier. Tu veux être délivré ou tu veux quoi? Hein? Alors? Le sorcier, il fait quoi? Il fait quoi? Ça veut dire quoi, les gens? Faut parler, toi, des sorciers. Tu fais quoi ici? On t'a forcé de venir ici? Non. Non, qui dit moi? Qui dit moi? Qui dit moi? J'ai demandé ceux qui veulent, ceux qui sont seuls. Ils sont des fausses personnes. Oui. Comment tu peux manger les gens? Faut expliquer. Faut expliquer. Est-ce que l'homme est fait pour manger? Toi, tu manges l'homme. Non, explique comment tu manges l'homme. Tu es sorcier. Hein? Qui t'a donné? Tu es sorcier. Qui t'a donné? Tu es sorcier. Qui t'a donné? T'es sorcier. Oui. Qui t'a donné? Papa. T'es sorcier. Qui t'a donné? Toi qui t'a donné? Oui, il est où? Il est pour bon. Toi, t'es sorcier. Hein? Toi, tu viens délivrer. Oh, tu es délivré. Oui, il veut me délivrer. Sorcier. Hein, la finesse, hein? Tu as souffert. Oui. Tu as trop souffert. Oui. Depuis quand tu as souffert? Oui. Depuis quand tu as souffert? Oui. Hein? C'est qui en toi là? Tu ne veux pas parler? Tu ne veux pas parler? Tu ne veux pas parler? Je veux parler. Tu ne veux pas parler? Je veux parler. Ici là, tu ne connais pas Issio? Tu ne connais pas Issio? J'ai une dame qui a discuté avec moi quand elle est morte à Zaroko. Cette année là. Faut jouer à nous. Hein? Petit, tu es sorcier. Hein? Tu ne parles pas. Tu es sorcier. Tu n'as pas de bouche. Tu es sorcier.
Ok. Allez-y quelque part là. J'ai fini à celle-là. Venez ici. Voyez que les gens là, je ne peux pas partir. Hein? Ça est très dangereux dans ma société. Allez-y. C'est toi qui appelle ici. Viens ici. Vas-y pour ça. Hein? 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 Attends. Hein? Je veux parler, je veux dire. Mais faut dire, elle veut parler, mais elle ne peut pas dire. Va le parler à monsieur là. Il va t'écouter. Elle est sorcière, c'est même petit, hein? Bon sorcier. Elle a tué quatre. Elle a dit quatre personnes. Tu vas devenir folle. Cette année-là, je ne vais pas m'amuser. Celui qui est sorcier. Et quand tu dis, il faut laisser sorcellerie. Dès que tu quittes la porte là, c'est fini, tu vas mourir. À partir du 5 février, j'ai commencé à parler sur les portes de la cour. Voilà. J'ai changé le système au niveau du centre. Là, c'est celui qui consacre, là, celui qui met un système en place. C'est comme un système de surveillance sur la sécurité. De toute façon, les choses de Dieu, c'est comme une science. J'ai changé le système ici. J'ai sorcier. Pendant cette année-là, on va faire une expérience pour montrer aux gens que Jésus même, là, au lieu de brûler les gens, Jésus peut les chasser. Tu es sorcier, quand tu dis si tu ne veux pas parler, en même temps tu es parti. Oui. Hein? Tu ne t'attends pas, hein? Qui est quoi? Qui t'a donné? Il n'a pas de nom. Comment il t'a donné la sorcellerie? Il a mangé. Il s'est passé comment? Mets-toi comme ça, là, comme ça, il y aurait ton visage. Mets-toi ici. Hein? Parle fort, hein? J'ai donné sorcière. T'as tué combien de personnes? J'ai tué deux personnes. Depuis que tu es sorcière, t'as tué deux. On peut avoir les noms des deux personnes? Mon papa et mon nom. J'explique. Tu n'as pas de nom. Mon papa. Hein? Mais tu t'entends pas. Il n'a pas le nom de ton papa. Comment tu l'as tué? Il dormait, mais il est dans la chambre. Allons-y. Pas attendre d'abord, mets-toi ici. Voilà, c'est comme ça ici. Voilà, allez-y là-bas, hein. On va vous soigner, t'as compris? Hé, on va te soigner, t'as compris? Oui, t'as tué ton papa? T'as tué qui? Il dormait dans la chambre. Maintenant, quels sont les gens que tu as gâtés? Tu as tué deux. Tu as gâté qui? Son nom? Blanco. Il va?
J'attends pas ce que tu dis. Hein. Je vais te laisser tout de suite. Il a mis le pain dans ton dos. Elle dit quoi? Il a mis le pain dans ton dos. Oui. Et puis, il a programmé tout le monde. Est-ce qu'il est mort? Pourquoi? Tu peux m'expliquer, toi? Pourquoi elle est pas morte? Son âme est fort. Hein? Son âme est fort. C'est pas que son âme est fort. Jésus est fort. Là où elle est rentrée, elle ne peut pas mourir. Non, c'est tout. Ah, mais quelqu'un, il faut que tu arrives à t'approcher. C'est pas fort. Ton papa t'a réussi à l'attraper parce qu'il n'avait pas la protection de Dieu. Elle est rentrée ici. Depuis, t'as dit la protection, elle est rentrée ici. Et Jésus a commencé à la délivrer. Oui. Et puis, elle est cassée la vie de la grande soeur. Oui, sa soeur, là. On va. Oui, sa soeur. Oui, viens ici, reviens ici. On va aller vite, 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 vite. Voilà Marie. Non, mets-toi en genoux. Bon, dis tout ce que j'ai programmé sur toi, je te programme. Parle. Qui est programmé sur toi, je te programme. T'as programmé quoi? L'amour. Hein? L'amour. Ah. Les gens se plaignent. Voilà, les images ne sont pas correctes. Il faut qu'on s'améliore en matière d'image. Oui. Tu veux quoi? Je vais expliquer l'histoire de programmation. Vous savez, tout ce qui nous arrive, il y a pas, le hasard n'existe pas. C'est le monde spirituel, comment le monde visible. Donc, avant de t'avoir, ils vont programmer la mort. Ils vont programmer l'accident. Il y a une date. C'est vrai, même si le sorcier est passé aux aveux, que le sorcier a dit on l'a programmé, ok. Que ça n'a pas été déprogrammé, il reprogramme ça. C'est-à-dire, ça est au lieu d'être 11, je prends un exemple, au lieu de 11 février, ça devient 11, deux mois après. On te fait oublier, parce que ça devient deux mois après. Au lieu de tout ce qu'elle a dit, donc c'est la chose se déplace deux mois. C'est pour ça que quand les sorciers font des aveux, il faudrait que la chose soit déprogrammée, que la personne soit là, même si la personne est à l'étranger, qu'une parole vienne déprogrammer ce qui a été programmé. Nous déprogrammons tout ce qui a été programmé sur ta vie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Amen. Okay, vas-y. Demain soir, à 15h, on va faire le 20h. Qui encore? Dis-moi le nom des gens que tu as programmés, tu as gâchés, eux tous, s'ils sont là encore le jour. Il n'a pas de nom. Ils sont pas là. Tous ceux que tu as programmés, tous les membres de sa famille, venez là. Nous allons prier. Je suis pas de m'amuser. Hein? Si vous jouez ça, je reporte ça. Ils sont pleins de délivrance. Vous voyez ça comme amusement. Mettez-vous là. Thank you.
Voyons dans les gens que tu as détruits. Hein? Mais monte. Hé, hey, pour montrer du doigt ce que tu as détruit. Hein? Oui, lui, qu'est-ce que tu as détruit? Il avait programmé le premier janvier. Quand il dit premier janvier, tu tousses hier. Ah, c'est comme ça on filme. Faut pas rester braqué comme ça. Quand il commence à parler, paf, tu amènes. C'est comme ça. Parce que les gens souvent se plaignent des qualités d'image. On attend de s'améliorer pour être. Pour fournir les choses. Tu as programmé qui? Donc, c'est comme ça. Il faut travailler ta tête. Sois rapide, c'est ce qu'on appelle un cadreur. Moi-même, je suis prophète, je sais filmer. Mais oui, on n'a pas besoin de temps, c'est le cerveau, c'est le niveau de la tête. Je prends, si je vais travailler, je vais travailler. Oui. Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie? Il a gâté quoi et quoi? Hein? Fashion. Et qu'est-ce que tu as mis dans son corps? Monsieur, tu vas plus mourir, d'accord? Amen. La presse de Dieu, au lieu du homme quand? Tu as mis le nom de Jésus. Amen. Lui. Quand il passe back les choux, le temps qu'il fait ça, comment? Il tombe malade. Et c'est vrai? C'est vrai? Quand tu vas passer l'examen? Avant de passer, tu tombes malade et tu n'arrives pas à aller en classe, c'est ça? Ou bien tu ne permets pas d'étudier? Non, dans les moments de une semaine avant. Une semaine avant. D'accord. Je tombe gravement malade. On m'hospitalise tout le temps. Non, je vais passer, mais pas pour. Ouais. Tu as trouvé la science et puis tu pars. Et tu n'as pas le temps d'étudier. Okay. Donc c'est toi qui faisais ça? Ok. Je te libère au nom de Jésus. Lui. Ça veut dire quoi? Au milieu de partir à l'école, maintenant au milieu de l'année, il ne va plus à l'école. C'est moi qui fais ça. En quoi faisant? Il y a un muscle qui arrive en jeu. Et vous n'êtes pas que. Je ne vais pas partir à l'école. Je te libère au nom de Jésus. Celle aussi? Mais elle ne fait quoi ça? De la même famille? Oui, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ok. Va t'asseoir. Comme sorcier, non, un gâteau. Non, va t'asseoir. C'est elle qui vient à gâter les gens. C'est elle qui n'a pas gâté, non, va t'asseoir. Tu peux dire Dieu merci, c'est tout. Pourquoi chercher à savoir? Ok, donc on reprend le dessus demain. Et ta mère? Hein? T'as gâté le combien d'un moment? Ça veut dire quoi? Hein? Donc le commerce est gâté. Son commerce est gâté. Son commerce est gâté. C'est pas gâté, mais gâté ça. Hein? Mais c'est quoi le français du bal? C'est pas gâté, mais j'ai gâté ça. Mais c'est la même chose que tu m'as dit. Tu es gâté alors. Tu chies là, c'est vrai ou pas? Maintenant, qu'est-ce que tu as gâché? À part tout ça là, tu as fait quoi? Oui, chercher ciel. Elle est baissée alors. Tu ne connais pas baissée? Tu ne connais pas baissée? Chercher ciel. Tu as gâté quoi encore? Ton bras. Il y a quoi dans le bras? Quand il fait mal, elle fait agripper. Fais-moi, montre-toi le bras.
Donc tu t'éloignes comme ça. Et puis tu, voilà, tu fais un gros plan. Monte le bras. Forcément que la tête saute comme ça. Donc tu t'éloignes. Voilà. Il y a quoi dedans? Qu'est-ce que tu as fait au bras? Comment ça arrive? Et il va pas être juste. Il ne va pas être juste. C'est fait. Ils vont. Papa, vous, c'est comment? Ça, il dit, c'est pas lui. Casse, il est caché. Je connais tout ça. Comment? Samy. Ça veut dire quoi? Ah, d'accord. Non, comme toi, tu fabriques. C'est toi qui as l'usine. Tu gagnes combien? Parce que je veux voir un peu, puisque j'ai la gâté ton commerce. Tu ne comprends pas ma question. J'ai dit, tu gagnes combien? Où est-ce que tu veux cacher? Tu vois les gens attendre. Non, non, je t'arrête. Donc elle gagne 50 000. Tu vas pourrir. Je ne pas dépenser. Au moins ça vient, non? Pour dépenser. C'est quoi qui vient puis tu dépenses? J'ai compris. Non, il a compris. Moi, j'ai déjà compris. Elle va te dire 50 000. Elle dit, donc tu gagnes 50 par jour. Ils vont dire, ah, donc c'est comme ça. Comme... Non, il y a. Aïe. Tu parles un langue intelligent. J'ai compris, j'ai compris. T'as compris? J'ai compris. À part maman Gati, là, tu as fait quoi? Ah, le titre. Oui, c'est bon. Et puis tu as gardé quoi encore? Hein? Ta cousine. Comment ça s'appelle? Hein? Où est Emmanuela? Les mangeurs d'âme. Viens. Tu manges âme. C'est doux. La chair de l'homme. Qui t'a donné? Comment? Comment elle t'a donné? Comment? Elle a transporté poisson dans le ventre. Elle m'a donné. La nuit, elle est venue me chercher. Comment ça? Comment? Et puis elle est partie dans le palais. C'est ça. Tu as tué qui? Allez, demain à 15h, on commence avec vous. Avec lui, et puis on va poursuivre le programme. Allez, vous asseoir. Allez-y.